Ouais, c'est vrai que ça a été un match reporté et on les a joués il y a 2 mois ou 3 mois. 7 février. Ouais, on avait gagné ici, ça avait été un match dur, j'étais pas là mais j'avais vu le match. Ça avait été un gros match et je pense que Bayonne ont une très grosse équipe et je pense que jeudi va être prêt, donc il va falloir qu'on y aille avec beaucoup d'ambition, mettre beaucoup de combats et rivaliser parce que, comme vous dites, ils ont le couteau sous la dent un peu, avec la pression de Pau qui revient. Et du coup, ils vont se transcender. En plus, c'est chez eux et le temps va être pas très bon. Et du coup, ça va être très compliqué, ça va être un gros match. C'est une équipe qui joue très bien, hein. Elle nous a posé beaucoup de problèmes au match aller. Notamment justement ce dernier quart d'heure, 20 minutes où ils ont joué leur va-tout. Je pense qu'ils ont une équipe assez équilibrée, avec de l'expérience et de la jeunesse aussi. Ils ont une identité, une culture assez forte, hein, de solidarité, mais aussi d'enthousiasme et de jeu. Donc on connaît leur position, on y a déjà été, donc on sait aussi à quoi s'attendre, quoi. Il va falloir déjà répondre à ça et être prêt dans tous les domaines si on veut pouvoir faire quelque chose à Bayonne. Et je pense que la préparation de ce match est primordiale dans ce sens-là. Ouais.